faire leur entrée sous les ordres de Thomas Depierreux, qui sera l'arbitre de cette gonelle. Mamadou Ntioun, Hugo Casado. Il y a également Mamadi Bamba. Et c'est directement sur Zimmerman. Et là, c'était. On va revoir le ralenti. C'est bien joué de la part d'Amin Groun, hein, qui trouve bien l'espace. Après, il est obligé de la prendre première intention. Longue expérience aussi du côté de Prix-les-Mézières. Ça fait longtemps qu'il est là, Laurent Billard. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. C'est bien joué avec Thibaut Jacquel. C'est Thibaut Jacquel, hein, effectivement, ouais. Sur ce magnifique service d'Amin Groun, hein, quand même. Là, on le voit d'ailleurs, le joueur qui vient pointer du doigt Amin Groun, la petite talonnade intelligente. L'ouverture du score pour Thionville à la 24e minute de jeu. On va le ballon long systématiquement. Attention à ce ballon qu'Amin Groun. Amin Groun qui est pied gauche. Oui, effectivement, il revient, il frappe. Et c'est magnifique. Magnifique l'action la menée par Amin Groun. Qui a touché quasiment tout seul. Hein. On va revoir ça au ralenti. Mais Silla Borgé qui revient sur son pied droit. C'est dégagé. Silla qui récupère encore. Qui va frapper mais sans danger pour Jacquet. Ça aura lieu le mercredi 18 octobre prochain du côté de Thaon-les-Vosges. Oui. Attention, là, le ballon récupéré. Ouais. Faute de main là, du gardien Jérémy Jacquet. C'est Shafik Gourichi. Là, il est récompensé, j'allais dire, parce que sur sa grosse activité depuis le début du match, il méritait de trouver l'ouverture. Entre Belfort et sa réunion dans ce groupe I cet après-midi, et de partout également entre la réserve de la S Nancy-Lorraine et celle du Racing Club de Strasbourg, c'est bien joué. Bel arrêt là, d'Alexis Zimmerman, frappe à bout portant. Et ce contre, effectivement, le dernier de la partie. Pignaton, et puis le public est nombreux ici au stade de Gaintranche qui salue logiquement. Ben, bravo à Thionville. On va dire quand même une réaction, peut-être pas une très belle réaction, mais une réaction quand même de Prix-les-Mézières en deuxième mi-temps. Mais ouais, effectivement. Sans vraiment se créer des occasions franches. Il y a eu quand même deux arrêts de Zimmerman. De la presse écrite, que ce soit le Républicain Lorrain, l'Union l'Ardennais. Alors évidemment, on savoure forcément plus en Moselle. Cette scène de joie et de liesse dans le vestiaire thionvillois à suivre en direct. Il me reste à vous remercier de votre fidélité.